Bonjour, mon nom est Kiavon Reny, je suis le coordonnateur en soudage de Matiza. Nous sommes ici aujourd'hui sur le site de Crissier où nous produisons des machines pour l'entretien ferroviaire. Le site de Crissier compte environ 500 collaborateurs. C'est un site qui est remarquable pour la Suisse romande. Nous produisons de A à Z des machines pour l'entretien, comme des machines pour le renouvellement de ballast, le renouvellement de la voie, l'auscultation de rails. Matiza, vis-à-vis du soudage, a une structure qui est bien rodée, avec des ingénieurs en soudage, des spécialistes en soudage, des praticiens en soudage, des inspecteurs aussi en soudage, afin de garantir la qualité requise par les exigences normatives. Actuellement, nous sommes confrontés au soudage de matières d'acier de construction, d'acier à haute limite élastique, d'acier d'usure, parfois le soudage d'acier inox. Toutes ces matières sont certifiées. Nous employons aussi des matériaux d'apport qui sont certifiés afin de garantir une qualité requise par les exigences normatives. Quand on parle de qualité, on pense bien sûr au respect des exigences normatives. Ceci implique non seulement le respect des exigences concernant la construction de machines ferroviaires, mais aussi les normatives concernant les qualifications des soudeurs, les qualifications de mode opératoire, et toute une série de normes auxquelles nous devons nous soumettre. Les procédés de soudage principalement utilisés, ce sont le MAG, fil plein, le MAG fil fourré, l'électrode enrobée, le TIG. C'est ainsi que Fronius peut nous donner un coup de main en nous livrant des machines de qualité et en ayant un suivi de qualité de leur part lorsqu'on a des problèmes ou lorsqu'une intervention est demandée rapidement de leur part.